Pas de vraie rentrée sans gros chagrin, sans s'accrocher comme une sangsue à sa maman ou au choix, à son doudou. Le pouvoir déstressant des enseignants prend alors tout son sens. T'inquiète pas, on va demander à Mathilda d'aller chercher tes affaires. D'accord. Il faut beaucoup rassurer aujourd'hui. Oui, beaucoup, beaucoup. Il y a des enfants qui se sont perdus, on fait avec. Les parents, eux aussi, se sentent un peu perdus. Ils ont toujours du mal à dire au revoir ce matin-là. Voilà. C'est pas trop dur de laisser ta fille? Un petit peu quand même. Non, ça va. C'est pas dur. En tout cas, il a hâte d'aller à l'école, ça c'est sûr. Les parents de petits de SP sont toujours angoissés sur la première rentrée, donc ils sont inquiets. Et nous devons les rassurer, voilà, avec le plus joli sourire. Et pendant que maître et maîtresse usent de leur charme, les enfants continuent d'arriver au bras de leurs parents. Des parents qui tentent par tous les moyens de leur transmettre le fameux virus du goût de l'école. Papa, il a regardé cette maîtresse. Ah, il y a une maîtresse dedans? Ah, bah sûrement, il y a une maîtresse dedans. Dehors, certaines jouent déjà les vedettes, tandis qu'en classe, le travail sérieux a démarré devant des parents spectateurs qui n'arrivent décidément pas à quitter les lieux. Vous partez pas? Non, j'essaie de voir mon petit en fait. Ouais. Il est déjà en classe, votre fils, mais vous restez quand même? En fait, on essaie de voir un peu pour la rentrée de cette année, voir si, comment ça se passe tout ça. Eh bien, ça se passe très bien. Dès que les parents ont tourné les talons, les garçons construisent et les filles cuisinent en toute tranquillité.